C'était une rêve de petite fille qui ne réalisait parce que c'était tout le temps le rêve que m'en vivait une médecin. Et là, par rapport à ça, c'était juste que, enfin, tout le monde c'était oui, enfin, tu vas devenir médecin, mais ne va guetter, ne va guetter. Et arrivé maintenant à la phase que tu me rends au collège, je me tiens au QEC, et arrive forme 4, forme 5, quand il n'a pas choisi un sujet, là, il commence à venir un challenge. Là, on finit dans la tête pour venir docteur. Mon vie, venir docteur, on ne peut pas dire moi comme ça. Ben, tu sais, il y a un long travail avec ça, et en même temps, beaucoup de challenges. Et pour une fille, être médecin, c'est très, vraiment très challenging parce que les études même sont dures. Et en même temps, par rapport avec ça, le style de vie qui te prenant après, tu as envie d'adapter ça, te dire, tu dis oui, mon envie faire médecine. Et là, par rapport, on arrive, ok, nous prenons un sujet science, nous bougeons vers le HSI. HSI, still encore la même question se repose. Et là, par rapport à ça, on ne va pas réel, ok. Qu'est-ce que vous faites de SIA là? Oui, monsieur, and I want to work for it. Mon vie, achieve ça parce que c'est mon rêve. Et là, par rapport à ça, j'ai commencé les études en Australie. Et après avoir commencé les études en Australie, mais en Australie, les études de médecine, ils passent de 7-8 ans. On va dire, moi, tu es une vieille femme là. Vous avez dit, non, peine à n'en rien comme ça. Mais nous faisons le programme que tu vas dire te shifter toi en Inde aussi, que tu vas compléter l'étude là-bas et plus rapidement. Et c'était ça le but, il y a la même bascule vers l'université qui s'appelle Manipal University, que tu complètes mon étude médicale. Et par rapport à ça, maintenant, je suis médecin. Quand on fait la médecine, ça ne termine pas là. On est dans quelque chose qu'on appelle l'internat, de faire un cours dans le service public pour savoir comment ça se passe ici à Maurice. Et là, par rapport à ça, je rentre au pays, je continue à faire mon internat et c'est pendant l'internat que je me marie. Et là, encore un différent échelon qui me grimpe pour unir carrière et vie sociale. Je suis momifiée pendant mon étude médicale en elle-même toujours et c'est à partir de ça qu'ils ont décidé ok nous pouvons venir là et nous pouvons marier ici, nous pouvons établir ici. Et là par rapport à ça, comment on dit, comme à cette instance-là, terminer en tant que généraliste, c'est pas quelque chose qu'on veut aspirer à faire. Lui, il est déjà spécialisé et là, l'encouragement, il dit moi non, tu as besoin de faire une spécialisation. Et c'est à partir de ça, il a insisté pour les enrollments, pour mon cours de post-graduation. Et là, c'est un nouveau. Alors, en tant que, juste après l'internat, je bascule au post-graduation sans vraiment de travailler vraiment comme généraliste. Le travail comme généraliste, ça a été fait plutôt après le post-graduation. Alors, quand on bascule vers le post-graduation, là, c'était un nouvel univers, parce que là, on est redevenue étudiante. Alors, étudiante et vie de mariage, vie de couple, ça change beaucoup de trucs. Parce que là, c'est pas seulement mon aller dans un hostel, mon rester, mon quelqu'un qui peut faire moins d'affaires. Mais par contre, là, c'est moi qui besoin occupe ma famille en tant que mon époux et ma maison. Et suite à ça, là c'est qui chose pendant mon cours même. À ce moment-là, j'ai pu retrouver le bonheur de devenir mère. Et à ce moment-là, ces choses, j'ai mon bébé pendant mon étude post-graduation même, et même au cas de dire fièrement que quand mon bébé est dans 6 mois, moi, je peux donner mon examen terminal de post-graduation pour devenir spécialiste. Et même à l'université que je me suis été, je fais le deuxième top dans mon groupe, dans mon batch. Alors, c'était une double joie de devenir mère et de pouvoir devenir spécialiste en même temps. Mais n'empêche que le parcours ne termine pas là. Là, j'aurais continué à travailler comme généraliste parce que avec le système public, j'étais déjà dedans. Alors, il n'y avait pas en sortir de là à cette instance-là. Quand je continue dans le service public, je vais faire plusieurs années de cours aussi pour gagner mon degré de majeur et tout. Et par rapport à ça, je travaille pendant 4-5 ans et du moment que je me paye, pendant le travail même, là, je suis encore rien le joie de redevenir mère pour la deuxième fois. Alors là, c'est travailler dans le département où je me suis spécialisée
en tant que femme, en tant de gynécologue obstétricienne, je peux faire un accouchement et moi-même enceinte et mon travail jusqu'à terme. Même pendant le premier accouchement aussi, juste après, je n'ai pas eu de maternité libre, rien, parce que j'étais étudiante et là, ça ne passe pas avec les étudiantes, pas tout. Alors, on continue le travail, on rentre dans la phase d'examen et tout. Et même pour le deuxième aussi, c'est de faire avoir des bébés, mais en même temps être prête à recevoir le mien. Et là, par rapport à ça, j'ai eu le deuxième et maintenant j'ai deux beaux enfants avec moi dans le PACO qui sont là comme des supports pendant tout le durant de ce chemin-là. Comme toute maman, moi aussi, je me suis fait face à plusieurs défis qui me disaient make sure que je me récite overcome ça bande d'affaires avec l'aide de mon époux. Définitivement, pareil comme toute maman, je me lève grand matin, prépare à manger pour mes enfants, prépare à manger pour mon monsieur, à le travail. Moi, je peux travailler à Candos, l'hôpital de Candos à l'époque, alors je me suis assuré moi. Qui me déjà au travail bah, 8h30, 9h pour me prendre ma responsabilité de médecin. Mais avant ça, je me réveille moi à 5h30. Mon monsieur aussi peut lever avec moi. Il peut aider moi pour nous cave, comment dire, prépare-nous pour le travail, prépare-nous pour voir le bébé. Et là, la journée commence quand je finis, prépare tout le repas pour la journée. Afin que quand je connais, vu que mon temps d'emploi, je pas si il y a mon la case, si arrivé, je besoin faire un night shift ou ça, je suis une patiente qui est en phase d'accouchement, qui me besoin rester avec eux, je finis sur moi, qui me connais quand je suis avec les enfants pérante la case, déjà il y a quelque chose pour eux. Et en même temps, quitte les enfants aux crèches, quitte les enfants. Récupérer mes enfants, même chez les grands-parents aussi. Il y a un travail que moi et mon monsieur, nous disons que madame manage la situation afin que nous arrivent à ce point-là. Ça, un des bons défis. Deuxième défi, c'est en tant que maman, là, il y a une bonne affaire que l'enfant attend que je me besoin reste avec lui. Alors, comme tous les enfants, il est levé à soi, je me besoin de lever, occupe-lui, donner ce biberon, feed-lui, make sure que je me dorme. Et à ce moment-là, moi, je peux prendre l'occasion pour me assiser, faire ma bonne étude, me faire mon travail. Et si jamais que je arrive à l'air, que moi, avec mon monsieur, nous faisons un plan. Il y a une certaine l'air que moi m'occupe bébé, et une certaine l'air, il prend la responsabilité. Alors, ce n'était pas quelque chose que j'ai fait seule, c'était surtout avec le support de la famille. Aujourd'hui, je suis CEO de Eagle Clinic à Flac, le Eagle et le Eagle Cancer Hospital à Rosebel. Le saut a été fait avec beaucoup de difficult decision making parce que c'était pas une chose facile à faire. En voyant ce qui nous trouvait autour de nous, le nombre de cas de cancer qui peut augmenter, le nombre de cas de Mauriciens qui sont malades, définitivement, en tant que médecin, nous ne pensons pas mais pourquoi ne pas avoir un hôpital pour que nous soyons capables de give back to the society, aider les personnes. Parce qu'a priori, être médecin, c'est avoir le pouvoir aider l'humanité. C'est pas juste être médecin pour avoir la gloire d'être médecin. Mais c'est plutôt pour pouvoir aider l'autrui, pour nous capables d'achever une healthy nation. Et là, par rapport à ça, que nous trouvons le nombre de cas de cancer qui peut monter par jour, et c'est là que la décision vient que oui, nous devons faire le saut dans le privé et établir les hôpitaux pour qu'ils soient capables d'aider sa bande du monde là et en même temps travailler pour nous aussi, pour nous capables gérer nos familles.
même si madame est médecin, maintenant, maintenant, le temps pour moi. Ce n'est pas comme si madame maintenant, end time, c'est Jules. Bien que, en tant que CEO, la responsabilité reste toujours sur mes épaules 24/7, mais quand même, je suis capable de dire oui, maintenant, je ne veux plus être CEO, je peux m'assurer comme maman à 100%. Comme on dit, the woman is the one who nurtures the family. Et c'est ça qui m'a l'occasion de faire pendant ce parcours de devenir le CEO. Alors normalement, j'ai établi mon temps quelques jours à Flac, quelques jours à Rosebel. Le but, c'est de mettre la main à la pâte avec tous les staffs. C'est de pouvoir parcourir tous les jours les facilités. Ça résume un petit peu le bref de la journée de ce que je fais. Mais n'empêche, même si je ne suis pas physiquement à l'hôpital après les heures aussi, je suis toujours reachable sur téléphone. À n'importe quel moment, les médecins, que ce soit les infirmières, que ce soit les domestiques, les auxiliaires ou même la maintenance aussi m'appellent, je suis là à répondre, à le diriger dans quelle direction y aller. Alors, ce n'est pas quelque chose, être CEO, ce n'est pas une responsabilité qui termine seulement de 9h à 4h dans le building de la clinique, mais aussi c'est un travail assidu, continu, qui se fait même les dimanches, même dans la soirée, même les congés publics, alors il n'y a pas de différence. Alors ça, c'est un autre challenge. Alors à ce moment-là, moi, de gérer l'administration de la clinique et de gérer la famille aussi, ça devient comme un autre challenge, parce qu'arrivé un moment, je dois mettre un stop que, ouais, là, ça, c'est pas urgent, tu peux m'appeler plus tard, ou je dois être avec les enfants. Mais n'empêche que j'essaie d'établir l'emploi du temps afin que je passe le temps pour les deux. Là, normalement, ce qui se passe en tant que CEO, ce n'est pas seulement de voyager, de s'asseoir dans son bureau et de répondre au téléphone qui peut arriver, qui ne peut pas arriver. Normalement, le parcours de mon parcours, il commençait quand j'ai besoin de gérer toutes les différentes branches de la clinique, qui nous cause de procurement, qui nous cause depuis gérer les stocks, de savoir qu'il n'y a aucun gaspillage, de savoir qu'il ne peut pas priver nos patients aussi, de consommables médicales et non médicales, les deux, de s'assurer que les finances sont bien établies, tout à fait passe correct, qu'il n'y a aucune lacune là, de s'assurer que mon infirmière peut réussir à prodiguer les soins qu'il faut aux patients, que mon médecin peut réussir à donner le maximum pour les patients, parce que à the end of the day, la vision de l'hôpital, c'est de s'assurer que la nation soit healthy. Et là, tout se fait en une chaîne. Et là, de voir toutes les chaînes de ce parcours-là jusqu'à que ça arrive aux patients, que ce soit en termes du médical, que ce soit en termes de la facilité, c'est-à-dire les chambres, les aménités, tous les trucs, et même la nourriture aussi. En tant que CEO, ma responsabilité, c'est de voir que tout le monde, en tant que tous mes patients, soient satisfaits de ce qu'ils ont à la clinique. Pas qu'il m'a dit que je suis CEO, alors je abandonne mes spécialités. Définitivement, avec l'hôpital de cancer, ça me donne moi plus de panoplie vers la chirurgie en tant que maintenant, je ne suis pas retenir que madame enceinte ou faire des accouchements, mais maintenant, on a le cas plus compliqué, par exemple, les chirurgies de cancer qui ne déjà pu faire ici à la clinique. En sus de ça, les gynés oncosurgeries aussi que je fais avec toute l'équipe qui est là. Normalement, chaque personne vient avec un certain mental setup.
Alors, de pouvoir être CEO, ce n'est pas seulement qui m'a posé avec un groupe de personnes. Alors, j'ai besoin de voyager un petit peu avec toutes les catégories de gens, que ce soit l'ambulancier, que ce soit les auxiliaires, que ce soit les domestiques. Et là, chaque personne y vient avec un package, comment nous dire. Alors, c'est un challenge de pouvoir emmener tout le monde sur la même longueur d'onde pour pouvoir essayer de comprendre chacun et pour pouvoir mettre dans un sens confortable. Parce qu'à un moment donné, moi aussi, je crois aussi un démon pas confortable dans ce lieu de travail, il n'est pas capable d'assurer que l'autrui soit confortable. Alors, il y a une certaine gestion de sa ressource humaine là, qui est très importante pour connaître comment la personne avec qui nous peut deal, qui l'expecte, qui se longueur donne et comment pour causer avec lui pour faire vivre sur le deliverables qu'il nous peut expecter. Normalement, vu que c'est un nouveau hôpital d'oncologie, une première à Maurice, alors l'important c'est comment nous besoin train nos employés, comment je peux accompagner un patient qui est atteint de cancer. Alors là, c'est un challenge que nous besoin train nos nurses. Alors, je ne peux pas fonctionner seulement comme infirmière, je fonctionne aussi comme une écouteuse qui est capable d'accompagner la famille. Parce que normalement, un patient qui est atteint de cancer, il peut penser comme moi que oui, il a un peu le mot. Et pour éviter cette idée-là, c'est l'aspect humanitaire qui est vraiment important. Et là, c'est plutôt un exercice de team building, un exercice de training qui peut aller ongoing, hands-on, pendant le travail même, afin que ce staff-là, je reconnaisse cet aspect humanitaire-là. Et c'est ça qui m'a dit besoin de traiter un patient avec dignité, comment pour accompagner eux, même dans les jours de faim. Projet futur, là pour l'instant, c'est enfin, n'ayant plusieurs projets en tant que maintenant l'organisation grandit, n'ayant plusieurs projets, n'ayant peut-être bougé vers un plan pharmaceutique, n'ayant plusieurs projets qui est en Afrique, que bientôt nous, déjà en construction d'un hôpital à Rwanda, que la gérance s'additionne de là-bas aussi. Là, en même temps, nous déjà un service de IRM, un public-private partnership avec le gouvernement de Rwanda pour le service de IRM, comme on peut dire. Alors, c'est gérer ces autres projets-là sur un plus vaste background. Me faire une campagne de sensibilisation une fois par semaine dans plusieurs différentes régions. C'est en association avec le Link to Life, une ONG par exemple, le Link to Life, par exemple, nous avons le Eagle Cancer Foundation elle-même, que nous faire un service gratuit pour le dépistage, pour l'awareness de cette maladie-là. Définitivement, quand n'importe quel problème est dans notre cave, contactez-nous pour ce dépistage là, pour venir dans une campagne de sensibilisation là, que me cause avec eux parce que moi là, ma présence en tant que médecin et pour en tant que femme pour éduquer cette madame là, c'est quoi le cancer, surtout le cancer du sein, parce que c'est un de bons cancers qui nous capable de prévenir. Ensuite, le cancer du col de l'utérus aussi, l'importance du dépistage précoce afin qu'il soit capable de sauver la vie de cette madame là, parce qu'avec un dépistage précoce, définitivement, la chance de survie devient presque à 100%. Et là, par rapport à ça, il est très important pour nous-mêmes en tant que femmes, nous connaître comment pour faire le dépistage, comment nous l'école pour nous capables de connaître exactement dans quelle direction nous pouvons aller. Et du moment qu'il nous trouve quelque chose d'abnormal, nous avons besoin de faire notre check-up immédiatement. Maintenant que les deux sont là, qui sont déjà grandis, je suis maintenant dans la phase que nous pouvons administrer la clinique, que je peux toujours travailler comme chirurgien, comme médecin, consulter. Et en même temps, j'ai la famille en tant qu'épouse, en tant que maman,
en tant qu'assistée avec tous les travaux scolaires, à quitter l'école, à venir depuis l'école, assurer qu'ils peuvent avec les bonnes activités, je aussi comment tous les enfants ont les bonnes activités, accompagner les pendant toutes les bonnes activités, que ce soit natation, librairie ou sa séance de karaté et tout. Et là, j'ai besoin de suivre eux à tout moment en tant que maman. Et tous les soirs, la journée se termine avec une phase de lecture avec les enfants. Que j'ai besoin de mettre eux au lit, que j'ai besoin de cet accompagnement-là. Et là, ce n'est pas vraiment le boulot que je dois m'en soucier à cette heure-là. Que j'ai besoin de rester là avec eux. Et en même temps, il y a un moment que j'ai besoin de faire le rôle d'épouse, faire le rôle de fille, d'essayer de tout compléter en tant qu'une femme complète, pareil que moi, toute madame qui travaille. Normalement, pareil comme toute madame qui travaille, tout manger qui fait, c'est fait à la maison. Alors, c'est pas qui m'a dit nous vivons le bon manger extérieur, mais c'est juste que je fais mon course au supermarché comme tout le monde, moi le bazar comme tout le monde, comme toute bonne madame, et tous les matins, je fais mon devoir de se réveiller tôt, de préparer les repas pour toute la journée. Alors, c'est tout un planning qui passait, et la veille, comme elle dit, finit passe dans la tête que ouais, demain, maintenant, pour préparer telles affaires pour les enfants. Fini demain, maintenant, qui je peux prendre pour l'école le lendemain. Fini sur nous, fini faire un planning, et à ce moment-là, le matin, le travail, le boulot commence. Commencer par le petit déjeuner pour époux, pour les enfants, pour préparer les tiffins pour l'école. Assurer qu'ils ont un repas qui est très healthy, parce que tout le temps nous mettons l'emphase sur ça. Et là, par ailleurs, même le dîner aussi, je finis préparer le matin, parce que vu qu'avec mon emploi de temps qui est assez chargé, je ne connais pas quand pour rentrer et quand je pas gagner le temps de préparer le dîner. Alors tout est fait tôt le matin avant que je laisse la maison. Et de ce fait, même si quelqu'un peut finir entre la case avant moi, en tant que mon épouse ou les enfants, je connais déjà un repas déjà préparé, qu'ils n'ont pas besoin de sortir pour aller faire un achat pour aller manger. Ben, d'affaire à se démanger et tout ça se passe peut-être une fois autant. On va dire quand on n'a pas de guerre étant même, si vous me bloquez avec une patiente, vous ne pouvez pas retourner à case, arriver à l'instance. Et à ce moment-là, ce n'est qu'à faire le recours avec manger extérieur. Mais au plus aller, que ce soit déjeuner, petit déjeuner, goûter, dîner, même les desserts aussi, on le prépare à la maison. Peut-être les desserts, peut-être une fois par semaine. Pas tous les jours, mais at least nous essayons sur nous, ça va en faire. Nous mettons beaucoup d'emphase sur homemade food. Alors, ma journée actuellement commence avec la préparation des repas pour la journée. Et là, par la suite, le travail en tant qu'administrateur, en tant que médecin.